Hey, hey les amis, c'est Paul. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur GTA V. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un petit peu spécifique, un petit peu spéciale. C'est pas un contenu que je fais d'habitude. Petite information, on était une petite team de brigands, de malfaiteurs, et en fait, on s'est permis de se déguiser en ouvrier. On est parti sur un chantier, en fait, au commissariat de la ville, et on s'est dit, pourquoi pas piquer leur voiture pour les faire chier et les revendre. Et du coup, on a fait ça en vidéo, c'était super cool, c'était pas en live. Mais en tout cas, je vous présente cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas de lâcher des pouces bleus si vous avez aimé, si vous voulez en voir d'autres. Sur ce, bonne vidéo les amis. Ciao, bye bye. Expérience sociale. Voler des voitures de flics et voir leur réaction. Non, le but c'est qu'ils n'avaient pas de réaction. Attends-nous, Jérémy, on est encore derrière. Ouais, de toute façon, il y a le feu rouge. Vas-y, passe, y'a pas de flics. Ouais, c'est ça que j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Par contre, il y a un flic au comico, les gars, donc vous ferez gaffe. Ah bah tant mieux. Ouais, c'est justement ça qu'il me faut. Oh putain. Mac et est-ce que vous avez le cœur qui bat? Oui. Je sais que je vais faire une commune. Vas-y, avancez, mon trailer qu'on est là. Non, moi je garde ma remorque là, je la pose là. Place handicapée. Oh putain. Ah. Bon, allez-y les gars, allez-y, vous me garez les remorques là, ça sera nickel. Ah putain, c'est la merde. Oh, ça, doucement avec le GE, doucement, ça coûte cher cette petite merveille. Hein. Ouais, c'est nickel. Attends, je vais noter tout ce qu'on a. Attends, je vais noter tout ce qu'on a. Bonjour monsieur. Attends, alors, voilà, donc check pour le truc. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur. Ah bonjour, vous allez bien? Le responsable s'il vous plaît. Ouais, c'est moi-même, vous voyez, j'ai. Ouais, c'est moi-même. D'accord, est-ce que je peux voir votre... Parce qu'on n'a pas de notion de travaux chez nous. Ah mais tenez, regardez, c'est sur... Venez à côté de moi, c'est marqué dessus, là, regardez, c'est le papier. C'est le devis constructeur, c'est concernant la sécurité incendie, caméra et leur lamping de votre poste. Ok, on prie votre antenne relais, là, on doit vérifier encore deux transmetteurs. On a dépanné ça la semaine dernière, on a déjà dépanné un transmetteur, là, ça... il en manque encore deux, là, c'est coûte cher. Et puis les pièces ont mis du temps à arriver, c'est Nanchi, là, vous comprenez. Et du coup, il faut qu'on fasse ça le plus vite possible. T'as pas de notion de ça. Ouais. On a pas de notion de ça, donc vous faites quoi là en fait? Vous travaillez sur quoi? Ah bah là, vous voyez, on va installer les groupes électrogènes pour vous alimenter et on va couper toute l'électricité pour faire tout ce qui est caméra, visuel, automate, industrie, visée, système, les alarmes, etc. Et les transmetteurs sur vos antennes. C'est la domotique en fait, pour faire simple. En gros, ouais, c'est ça. Mais c'est de la sécurisation. Combien de temps, monsieur? Oh là, bien une bonne partie de la nuit, hein. Effectivement. De la nuit. J'ai peur que ça aille jusqu'à demain aussi, vu ce qu'on doit installer. Ouais, ouais, j'ai peur aussi. D'accord, bon, on commence. Bonne journée. Ah, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, ça c'est fait. Alors les gars, c'est simple, vous allez me brancher le GE et vous me déchargez toutes les brouettes. Allez, plus vite que ça. Bien d'être le chef. Ah, c'est bien pris. Y'a moyen de rapprocher le groupe électrogène sur la place handicapée? Bah bien sûr, tu peux le faire ce que tu veux, à partir du moment où t'es sur chantier, tu balises. Allez. Monsieur, fais ce que tu veux. Au pire, c'est moi qui prendrai les directives. Ouais, vaut mieux. Vas-y Patrick, recule. Bip, bip. tu fais le bip, j'aime bien entendre le bip. Vas-y. Approche-toi bien, on a pas assez de câbles. Vas-y. Vas-y. Ça coûte cher, cette merde. Vas-y. Fais le bip, fais le bip. T'as 5 pets, là. Je vais me rapprocher derrière. Vas-y. Ok, c'est bon. Il y a une équipe qui va s'occuper des lampes. Il y en a un autre qui va faire les caméras. Et il y en a un qui va monter avec moi sur le toit. On va faire le tour. Ah, c'est bien pris. Du coup, moi, je me charge du machin qui est là, hein, chef. Ok, allez-y. Moi, je monte sur le toit avec vous. Allez, on y va. Bah, tu fais ça. Sinon, mais non, prends pas. C'est ouais, trop tard. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Oh, putain, ça fatigue. Ah, j'allais faire la même chose. Oh, allez, 1, 2, 3, allez, ouais. Oh putain, j'ai pas du coup, faudrait qu'on pique une bagnole de flic, mais elles sont pas spawn en fait. Chef, j'ai pas de courage. J'ai mal au dos. Allez, 1, 2, 3. Petite pause. Regarde, moi c'est beau ce que je fais. Oh oui, c'est magnifique. Oh, ouais, faut aussi couper l'intérieur ou pas? Ah, tu coupes tout. Ah, c'est bien. Tu démontes. Je rentre alors. Ah, ça c'est pas con, je vais te rejoindre, je crois. Oh oui, il y a des caméras, il y a plein. Sérieusement, ils sont où? Il y a plus les flics?
Il y a une caméra par angle. Ils sont tous réunis là-bas. C'est-à-dire qu'on a pas de flics pendant une bonne heure là, les gars. C'est-à-dire que je peux ramener le camion tranquillou. Ah ouais, ils vont rien voir. On va l'ouvrir en faisant genre en le déchargeant. Oh. On va faire tomber le poteau électrique et on va faire expérience sociale. Les vapid bots. La réaction des gens. Merde, je suis coincé à l'arrière du camion. Eh, si t'arrives pas, Félix, on a du C4 dans le dans la portière. Je déconne pas. Les gars, il y a une voiture de flic. Il y a Coco. Je suis bloqué. Je suis bloqué à l'arrière du camion. Je vais voir le flic. Il dit au pire que ton parfait. Jean-monsieur. Ah, c'est nickel. Monsieur. Vous inquiétez pas, hein, vos supérieurs sont informés. On a un petit chantier là sur une petite journée, je pense. Ça va durer toute la nuit plus demain matin. Qu'est-ce qui se passe? On va péter le transport. Hein. On est en train de. Je vais dire quoi? Je vais celui-là sur le côté. On change tout ce qui est caméra de surveillance électronique. Ah ouais, j'ai tout fait péter. Sur le cas sur le camion, vous allez vous marrer. Patiente avant de faire des choses. C'est bon, je sais comment on va faire. Non, mais votre supérieur est informé. Vous inquiétez pas. On a eu l'autorisation. Je tiens quand même à faire une vérification. Oh bah faites-le. Moi je vous laisse parce qu'on a du travail. De toute façon, là, votre commissariat fonctionne qu'avec mon camion, voilà. je déplace juste fait le camion, on doit faire péter le béton. Ouais, pourquoi tu l'enlèves? C'est quoi l'animation déjà? Non, l'enlève pas, il t'a dit de le bouger. Non, c'est juste nous, on va faire péter. On va faire péter le béton. Ah merde, il se casse. Il se casse. Vas-y, c'est bon, je mets le camion prêt. Ouais, vas-y. Oh putain, c'est fatigant cette merde. Nickel. Y'a plus qu'à piquer une voiture. Y'a plus qu'à attendre qu'il y ait un flic qui arrive surtout. Ouais, nickel. Ah chef, on peut péter le béton hein, parce qu'il y a un transfo qui est par là-dessous. Hein. Non, tu veux dire un câble, dis pas des conneries, couillon. Un transfo là-dessous. Un transfo. Ouais, y'a des souterrains en dessous, ça part très bien. Oh, joli comme véhicule ça. Alors attends. Ah vraiment joli. J'espère qu'il rentre. Bon bah je pense que je vais ramener le véhicule hein. Allez, c'est pas tous les gars, c'est pas tous. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Bonjour. Non, mais attendez, je monte dans le camion. Bonjour. Vous allez me recharger la machine hein. Oh la magie. Oh ça sent trop bon. Attendez, ça sent trop bon. Avance un petit peu. Attends, il faut que quelqu'un peut rentrer dans le commissariat. Ah bah Jérôme, tu nous dis s'ils sortent. Je suis devant, vas-y, je te suis. Attends, les portes sont ouvertes. Les fenêtres sont ouvertes. Bonjour monsieur. Vas-y. Maintenant. Go. Vas-y. Oh non, ça rentre. Oh oui. Tous dans les véhicules, les gars. Tous dans les véhicules. Ah, roule doucement, par contre, tu roules super doucement. Oh nom de Dieu. Doucement. Attends, il reste un pick-up sans place. Attends. J'arrive. Attends. Les flics repartent. Roule pas vite, Paul. Je roule pas vite. Les flics repartent. J'arrive. Arrête. Tu me fais flipper en plus. Il vient te voir, non? Non. Arrête. Je sais pas ce qu'il veut. Bah, sans l'heure, mon gars, je suis comme un fou. Oh putain. Je les vois encore dans le cubico, ils font rien. Ils l'ont pas encore vu? Bah non, merde, ils sont pas sortis encore. Attends, et le pire c'est qu'on va reprendre on va supprimer le camion, on va supprimer la bagnole et on va reprendre mon pick-up. On y retourne. Mais on y retourne carrément, on prend mon pick-up et on y retourne mon gars. Et on va mettre la voiture quelque part. Cache-la derrière par contre. Attends. Prends un screenshot. Attends mec, parce que... Ah oui, réussi. À vous. J'en papite encore, je suis heureux fait qu'on ait fait ça. Putain mais gars, c'est magnifique. Putain, c'est... Je viens de voir votre photo là. T'es vrai, tu l'as là. Attends, j'arrive pas à l'avoir. Est-ce qu'ils ont capté qu'ils ont pas un véhicule? Oh putain. Ah, y'a un véhicule de flic. Ça, vous avez fait les enfoirés les gars. Y'a un véhicule de flic sur vous les gars. Putain, y'a un véhicule de flic sur nous. Non mais ils feront rien du tout, Discord. Oh merde. C'est le détective. T'es où? Ils sont derrière là-bas, ils sont derrière. Vous êtes au poste? Non, ils mais sont non, à l'entreprise. Ok, Dégage. Oh putain. J'ai renfort. On se met sur le bas-côté. Je sais pas qui est avec moi dans le pick-up. Vas-y, j'arrive. Je suis l'entrepreneur, vas-y. Oh putain. Okay. Attends, mets-toi sur le bas-côté. Allez, vous arrêtez en plus.
Ouais. Ouais, bonjour. Un souci? Non, pourquoi? On va travailler non, à votre poste. Ils ont rien vu. Ah bonjour monsieur, bonjour. Il a rien vu Paul. Paul arrête. Non non non, excusez-nous, je testais un nouveau klaxon en fait. Merci, bonne journée monsieur. Oui. C'était pourquoi t'as klaxonné? Bah je sais pas. Ils ont rien vu du tout. Ils ont fait un demi-tour devant le 4x4 hein, dans leur Ford Explorer. Moi, je vais en mode parce qu'il y a un camion en fait devant le 4x4 qui le cache. Tu crois? Oui, il a... le camion, il le plante. Moi, il y a un camion. Moi, là, je viens de passer. En fait, il y a un camion qui est en travers et qui est bloqué avec le 4x4 et du coup, ça le cache. Ah putain, mais je l'ai pas vu. On est trop fort en vrai. Attends, ah, ne double pas, double pas. Tu vas te faire choper. Il retourne. Bon, on retourne à l'entreprise, au commissariat. Ouais, vas-y, vas-y, on travaille. Ah, il y a une voiture de cadet. Ah non, je vais me marrer. Par contre, on est parvenu avec le gros camion. Non, mais on peut dire qu'on l'a posé à l'entrepôt. Ils ont pas de preuves. Oh, et ouais, moi, on aurait dû revenir avec pour charger un nouveau véhicule. Deux, c'est un peu beaucoup quand même. Bah. Ah non, deux, c'est trop. Deux. Non, j'ai peur que deux, ça soit grillé. Sérieusement? Un, c'est déjà pas mal. Tu veux tenter un deuxième? Non, c'est chaud, c'est chaud. Il y avait une détective qui arrive. Hein. Ouais non, remonte sur le toit, remonte sur le toit. On va remonter sur le toit en mode on bosse. Ah tu veux faire quoi aussi? Chef, du coup je vous remets le transfo ici. Attends, ils reviennent ou pas? Ouais, ils sont là derrière. Ah, il est là. C'est les fils, là il y a une prise. Oh, merde, c'est putain. Énorme. C'est énorme. Les brigands de l'extrême. Par contre la voiture de cadet qui est passée, je voudrais bien la choper. Il y a une nouvelle voiture de flics. Attends. Ah ouais, il y a une voiture. Je suis dedans les gars, si jamais, je vous fais le... Il y a une voiture qui vient de se garer. Qui surveille notre entrée, les mecs. Ah, il y a une voiture de flic qui s'est garée. Oh, il y a une voiture de cadet. Ce que tu fais, tu piques le camion. Oh, tu viens vers nous. Attends. Il y a un cadet. Ça va, il va par l'autre côté. Oh, mais mon gars. Il y a un cadet qui vient d'arriver. Il est passé entre les deux poteaux jaunes. Il est monté sur le trottoir pour se garer au commissariat. Ouais, attends, faudra peut-être demander à. Faudra demander peut-être au. Au policier s'il peut nous ouvrir la porte à l'intérieur. On va pas le gêner. Gamin. Hey, gamin. Tu m'entends? J'arrive plus à sortir du truc. Monsieur? Je suis bloqué dans l'armoire. C'est un petit jeune, j'ai l'impression. Hein. Comme vous, les gars. Comme vous, c'est vrai, c'est vrai. Il est en stage. Il est en stage découvert de 3ème. Regardez, il y a les messieurs inspecteurs. Ah bah, on pourra peut-être leur demander à eux sinon. Hein. Tu mettras bien un harnais. Hein. Ouais, pas de soucis, chef. Alors, ici, là, tu vois, t'as toutes les pignons là, il va falloir les remplacer. Alors, bon, là, t'en as pas beaucoup. Le pire, c'est dans la prison là, au fond. Par le fond là. D'accord. Merde. Ouais. T'as toute la rangée de couloirs de néon, t'as plein de caméras de partout, t'en as moins une quinzaine là. D'accord. T'en as ça dans cette pièce, t'en as. Ouais, t'enlèves tout, tu remplaces tout par les neuves. Hein, c'est en fibre optique, faut retirer le câble. Ouais, ça marche, pas de soucis. Chef. Je vais chercher l'échelle et j'arrive. D'accord. On fait... Chef, le camion là. Chef. Oui. On fait comment pour accéder à la pièce du fond? On n'a pas les clés, y'a qu'un policier qui peut nous ouvrir. Ah, on va attendre un petit peu, hein, on va attendre. Ah bah là mec, son camion là. Déjà. Ah il serait temps, le chef il t'attend là. Dépêche-toi. Attends, Matt, on va peut-être le piquer au cadet. Ah ok. Ah mais justement, je voulais que le cadet il rentre à l'intérieur et qu'il. Attends, et qu'il nous ouvre les clés. Justement, mais il va falloir qu'on attende que les inspecteurs ils dégagent en fait. Ah ouais, bloque les clés. Ouais, c'est pas bête de les bloquer comme ça. Ah nickel. Ah c'est nickel comme ça. Ah tu bouges plus, on va commencer à décharger. On a pas un diable? Si, c'est moi le diable. Je prépare le pick-up s'il faut s'enfuir. Ouais, t'as raison, prépare-nous. Non, moi j'ai pas, je montrais avec toi. Attends, parce qu'il y a le mien qui est à l'arrière encore. Ouais, mais je te prendrai si tu veux. Ah, mais au pire, j'ai envie de piquer la bagnole maintenant en fait. Je prends l'électrogène ou pas? Ouais, bon, l'électrogène. On le laisse sur place? Ouais. Mais je pense que le camion, je vais l'amener ailleurs parce que j'ai peur qu'il surveille l'entrée. Ouais, laisse le groupe électrogène sur place. Que... Ils vont c'est le médic. Il y a le médic qui est là. Ah bon, les fils, chef, je pense qu'on va couper. Hein. Ah, attends, je vais décaler juste ton véhicule, qu'on gêne pas trop le passage, j'ai qu'on a le camion au milieu. Vous me déchargez tout ça ou quoi? Attends, reste là avec ton camion, du coup, je vais essayer de couper le fil là, parce qu'il faut qu'on coupe l'électricité donc. Ah, faut que tu perds ça, mon petit gars. Ah, ouais, y'a pas de soucis, vous inquiétez pas. Ah, bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, oui, bah, écoutez, je venais voir la. Je venais voir les agents du shérif là pour savoir un peu ce qui se passait parce que je me fais un peu chier comme un rat mort. Ah bah si vous voulez, nous on a du travail pour vous. Si ça vous intéresse. Après, hein. Si
vous avez des feux à éteindre, moi ça m'intéresse, ouais. Ah, on éteint juste les ampoules de notre part, mais on peut mettre le feu si vous voulez. S'il y a des chibres à sticker, vu que je suis un pédalade de pompier, y'a pas de soucis. Ça t'intéresse, gamin? Bah attendez, j'ai tu veux un chibre, gamin? Jeff, j'ai une petite idée. S'il y a un feu qui se déclenche dans le commissariat, est-ce que il faut appeler la police? Non, ils vont tous se ramener, mauvaise idée. Ah, mauvaise idée. Bah non, justement, c'est peut-être une bonne idée, vu qu'on doit parler à quelqu'un pour ouvrir la porte de derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tu veux cramer le comico pour leur dire de nous... mais tu réfléchis, excusez-moi, hein, c'est des petits jeunes. Alors, tu réfléchis attendez, un petit peu. Moi, je vais y aller, parce que si ça part de cramer quelque chose, moi, je ne suis là que pour l'éteindre. Donc, à la limite, vous faites ce que vous voulez pour leur... Pour non, parce que, écoute, rien à faire. Non, mais petit jeune, si tu crames le comico, t'auras plus besoin d'ouvrir la porte. Donc, du coup, t'auras pas besoin de les appeler. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais je me dis, avec l'installation que j'ai... Les gars, faut l'excuser, leur stage. Ils arrivent. Il y a des mouvements. Il est en stage, hein, faut l'excuser. Vous avez vraiment rien à faire, pas de feu, c'est triste. Vous êtes le seul EMS? Si vous voulez, postulez dans mon entreprise, hein, et on est plein, on a beaucoup de travail. Non, ils sont là les agents du shérif ou il y a personne? Bah là, il y a personne. On sait pas trop, nous on est là pour la nuit là, normalement. Il y a le petit cadet qui est là-bas, là au fond, il y a l'air d'avoir un petit cadet, c'est marqué cadet Wolf. Ouais, l'autre là-bas, là, mais il bouge pas. Là. Sur son badge, mais. L'autre là-bas, mais il bouge pas, là. C'est pas ce qu'il fait. Ouais, derrière le véhicule là-bas. Avec cette superbe voiture, avec une pelle. Exactement. C'est ça. Limite, il pourrait nous faire une escorte hein, pour un convoi exceptionnel. Hein. Ouais, elle se met derrière notre chauffeur avec le véhicule. Après, ça me fait penser à mon job d'étudiant là quand je ramassais les poubelles. Le temps, ça me rappelle des bons souvenirs. Bon, je vais vous laisser. Moi, ça me rappelle quand j'étais déménageur. Moi, c'est. En tout cas, n'hésitez pas les gars à mettre vos EPI et surtout à prendre un extincteur à côté de vous au cas où s'il y a un souci. D'accord. S'il y a un souci, vous appelez le 911, vous demandez les pompiers, je suis juste à côté. On vous appellera sans souci, monsieur. Ok, monsieur. Bon, allez. Bon courage. Monsieur l'agent. Ciao. Ah, bon courage. L'agent. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée les gars, bon courage. Bonne journée. Mais si on met le feu, mon gars, si on met le feu, le commissariat, ils vont se ramener. Le problème, c'est qu'ils vont tous se ramener en fait. Et puis, on dit qu'il y a des personnes qui ont essayé de nous attaquer. Non, c'est trop gros ça. Ah, il y a le cadet qui repart, Attends. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, juste aller ouvrir la porte pour mon collègue. Oui, bien sûr, je vais vous faire ça. Ouais. Vas-y, attends, je vais avec lui. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Il y en a pour 2 minutes, hein, après, c'est juste pour qu'on puisse bouger le camion. Oh, voilà, venez avec moi, c'est pour ouvrir en fait. Je me suis. Venez avec. Il a pas fermé la porte. Non. T'as bien les deux portes intérieures, hein, les deux portes intérieures. C'est bien celle du. C'est bien vous inquiétez pas, chef. Hein. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Moi, je prends le véhicule et je m'en vais. Hein. Je vais rentrer à la base. Go. En fait, alors monsieur, non, c'est pas cela. Venez par là, je vous explique. Le stress. Venez par là, monsieur l'agent. Voilà, en fait, je dois rentrer là-dedans en fait, pour couper les... Par contre, on va plus au même endroit, faut... Mais activer, comme vous pouvez le voir, on a plus un groupe... Attention, donc, faut que je coupe l'électricité, donc du coup, Putain, je vois juste que vous m'ouvrez, en fait, c'est... Alors, moi, j'ai... On l'a embarqué dans le camion, mais attends un peu... Oh putain. Vas-y, avance. Oh putain. Ça fait du bruit là-dedans. Oh putain. Attends, mais j'ai encore la porte arrière ouverte. Faut qu'on parte ailleurs. Si tu veux, ici il y a un chemin. Eh bah, du coup, Jérémy est encore sur place, il va se faire choper. Non, je repars là. Vas-y, ouvre les portes. C'est bon, on est reparti. Attends, hein. On va se déposer assez. On y est. Opération. Mais non. Ça fait trop facile en fait. Franchement, Matt, bien joué. C'était une excellente. Ah bah, quand on peut aider, hein. Vas-y, on se met tous sur le véhicule. Deuxième véhicule. Je le mets où? Je le mets là. Ouais, attends, je le cache derrière. Oui, pas con. Attends, on va faire gaffe qu'il y a la route, on va faire un petit screenshot. Bah là c'est bien. Vas-y, montez tous dedans. Attends, j'ai l'air, il me fait. Attends, monte sur le toit. Prends pas le screen tout de suite. Attends, je vais fumer la joie. L'irrespect total. Ah bah attends, je mets les gyrophares, c'est encore plus drôle. Vas-y. Allez les gars. On est un peu, hein. Ah la petite screen de feu. Voilà, ça c'est fait.
Du coup, j'envoie ça à la police, hein, par mail.